Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Uski, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour la suite de ma série T'as déjà eu les chiens avec. Donc, si vous avez oublié la série, bah, tout simplement, c'est obtenir une double unité canine avec toutes les armes du jeu sur Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops et World at War. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va se retrouver à la MP7 pour et sur du multi-équipe, pardon. Donc, sur du multi-équipe, qu'est-ce que c'est que ce mode de jeu? Tout simplement, c'est un mode de jeu où 9 joueurs vont s'affronter en 3 contre 3 contre 3. Oui, c'est assez dur à dire, je confirme. Voilà, c'est un petit mode de jeu assez sympathique qui est d'ailleurs unique sur ce Black Ops 2 et sur lequel je prends vraiment énormément de plaisir. Donc voilà, c'est vraiment un mode de jeu que je vous conseille. Et durant cette petite vidéo, les gars, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils pour tenter de débloquer au moins une unité canine sur Black Ops 2, ou du moins avec la MP7. La première chose que je vous conseille, les gars, c'est tout simplement au niveau des équipements, parce que beaucoup du gameplay, enfin beaucoup de votre gameplay va se passer au niveau des équipements que vous aurez équipés sur votre MP7. Le premier que je vous conseille, c'est bien sûr les balles blindées. Vous savez tous que voilà, les balles blindées, c'est comme... Il va agir comme force de position dans les autres Call of ou comme balles chemisées si vous préférez. Et bah, balles blindées vont augmenter les dégâts de votre arme. Et sur une mitraillette qui a déjà pas mal de dégâts telle que la MP7, balles blindées va vous permettre de faire tomber les ennemis en moins de coups, enfin en beaucoup moins de balles. Tel que, enfin je sais pas si je me trompe pas, si vous avez la connexion, ça doit tourner autour de 3-4 balles si les balles sont au-dessus du torse. Donc c'est quand même pas négligeable. Vous aurez vraiment beaucoup plus de précision. Puisque voilà, vous n'aurez pas besoin de rester viseur fixe sur l'ennemi pour le tuer. Et donc, n'hésitez surtout pas à mettre les balles blindées, c'est le premier équipement que je vous conseille. Le deuxième, ça reste le chargeur rapide, parce que le chargeur rapide, je peux vous jurer que 40 balles, même sur une MP7, ça va très très vite à utiliser. Donc n'hésitez pas à mettre le chargeur rapide, parce que lorsque vous allez loucher par exemple sur un ennemi et qu'il va se rapprocher dangereusement, pouvoir recharger le plus rapidement possible, ce sera vraiment la chose la plus efficace que vous aurez à faire. Donc n'hésitez pas, le chargeur rapide est là pour vous. Le troisième équipement, alors ça c'est pareil, ça dépend des gens. Moi personnellement je préfère mettre une principale suréquipée puisque ma série c'est quand même de débloquer avec toutes les armes du jeu. Donc je préfère mettre principale suréquipée puisque je compte pas jouer à l'arme secondaire, enfin je compte pas faire des kills à l'arme secondaire et je compte pas non plus changer d'arme. Donc je préfère mettre une principale suréquipée et c'est là que, le troisième équipement va se jouer. J'ai préféré mettre sur cette partie le canon long parce que comme je l'ai dit déjà le canon long va augmenter les dégâts et plus vous aurez de dégâts sur votre arme, moins les ennemis seront difficiles à tuer. Donc moi j'ai privilégié le canon long puisqu'en plus il va augmenter la portée de l'arme, ce qui fait que vous serez de plus en plus efficace pardon, à moyenne et longue portée. Bien sûr ça reste une mitrailleuse, ce qui fait qu'à longue portée les combats seront un peu plus difficiles, surtout avec une MP7 qui a pas mal de recul lorsque vous tirez. Et la petite subtilité par contre, c'est si vous avez vraiment un petit peu de mal à gérer lorsque vous avez, parce que vous avez peur de ne pas être furtif, et ben la petite chose que je vous conseille, c'est tout simplement d'échanger votre canon long contre un silencieux. Mais là le silencieux c'est un petit peu quelque chose qui va soit vous rendre plus, comment dire, plus sûr de vous, soit c'est quelque chose, surtout si vous avez la chance, enfin si vous avez l'habitude d'y jouer, soit quelque chose qui va vous faire rager, parce que moi personnellement j'ai perdu l'habitude de jouer avec le silencieux. Et je me rends compte que lorsqu'on l'équipe, les ennemis tombent beaucoup plus de balles, quoi. Et du coup, j'ai plus l'habitude de jouer avec le silencieux, ce qui fait que bah, je crois que je vais éviter de reproposer des vidéos, ou du moins avec des mitraillettes, enfin ma série avec des mitraillettes, avec des silencieux, parce que je pense que ce soit pas super efficace, puisque personnellement, équiper les trois équipements que je vous avais dit précédemment, et les ennemis tomberont comme des mouches, quoi. Personnellement, moi, c'est... Vous allez voir durant ce gameplay, hein, ça va être vraiment un très très gros massacre. Les ennemis vont tomber tout seuls. Donc le silencieux n'est franchement pas nécessaire. Mais après, c'est peut-être une sécurité pour vous. Si vous préférez jouer avec silencieux et fantôme, libre à vous. C'est bah, c'est moi mes petits conseils que je vous donne. Mais voilà, je vous conseille aussi de jouer avec cet équipement et cet atout-là. Si vous préférez rester un petit peu plus furtif et si vous avez, si vous avez tendance à temporiser un petit peu parce que vous avez peur de louper votre série. Donc c'est tout à fait compréhensible, hein, je vous comprends. Et quoi qu'il en soit, on en revient aux atouts que j'utilisais durant cette vidéo. On avait tout simplement détermination qui est l'atout de base que j'utilise tout le temps, pratiquement tout le temps durant toutes mes séries pour débloquer la double unité canine plus facilement. Sachez chers abonnés que cet atout va diminuer de 20% le score que vous aurez à obtenir pour obtenir vos score strike. Tout simplement, je m'explique par là, c'est si vous voulez obtenir un score strike qui vaut 1000 points, avec détermination il vous faudra plus que 800 points
pour obtenir votre score strike. Donc voilà, c'est moi l'atout que je privilégie le plus, puisque voilà, la double unité gagnée, je suis passé beaucoup de fois à côté, étant donné que manque de temps ou parce que je me suis fait tuer, ça arrive aussi, hein. C'est pour ça, moi c'est ma petite astuce, jouer avec détermination, quitte à jouer avec soif d'atout, si vous préférez utiliser aussi fantôme. Mais voilà, n'oubliez surtout pas détermination, qui reste quelque chose de très sympathique. Après, bien sûr, là pour comment dire, on va jouer sur du point stratégique, donc inutile d'équiper gilet pare-balles, puisque vous allez rester sur une zone, mais la zone est assez grande pour que vous puissiez vous déplacer et pas rester toujours au même endroit quand comparé à la domination où vous avez un drapeau et tout le monde sait où vous êtes. Donc là, l'avantage du point stratégique, vous serez assez réparti, puisque la zone est assez grande. Donc voilà, inutile de mettre gilet pare-balles. Après, ce qui est sang-froid, isolement, bon bah c'est pareil, c'est pas les atouts qui sont les plus efficaces. Quoi qu'il en soit, au niveau des atouts 2, personnellement j'ai mis pillard. Alors pillard, pourquoi? Parce que tout simplement, ma série c'est avec une seule arme. Chaque épisode c'est une arme différente. Donc je me vois mal ramasser une arme par terre parce que je suis tombé à court de munitions. Donc pillard va tout simplement m'empêcher de tomber à court de munitions. Et bah, c'est uniquement pour ça que je l'ai pris. Sinon, j'aurais pris sans doute robustesse. Robustesse qui est un atout vraiment génial, puisque avec une mitraillette, lorsqu'on va vous tirer dessus, bah comme l'atout l'indique, hein, vous allez moins tressailler, ce qui fait que ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis, surtout avec une mitraillette qui a beaucoup de dégâts, et bah je peux vous dire que ça fait très 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 mal. Donc voilà, c'est la petite astuce. Bien sûr, en atout 3, je vous conseille. Et ça par contre c'est vous qui choisissez, mais je vous conseille dextérité. Dextérité pourquoi? Si vous jouez avec la MP7, donc une mitraillette toujours, si vous jouez avec ce genre de SMG, surtout les dextérité pardon, vous aidera lorsque vous allez rusher, vous allez vouloir rusher une zone, à viser beaucoup plus rapidement. Et passer en visée le plus rapidement que l'ennemi, ça va faire des fois beaucoup plus de fois pardon, la différence. Bien sûr, après, pour tout ce qui est Betty, pour tout ce qui est grenade tactique, etc. Là, c'est pareil. Il y a une petite embrouille. C'est soit vous allez vouloir jouer avec ingénieur, soit avec masque tactique. Et ce sont deux très bons atouts aussi. Hein. Ça, je peux vous les conseiller aussi. Mais moi, personnellement, je préfère jouer avec dextérité. Parce que comme je cours beaucoup, et ben voilà, viser plus rapidement, c'est quelque chose qui fait beaucoup la différence dans le gameplay des fois. Donc voilà, après bien sûr je joue avec la Betty, bon la Betty y a rien à dire dessus, je la posais dans un coin, j'en ramassais une autre, je la reposais dans un coin et ça me permettait de faire juste des kills en plus. Il n'y a rien à dire là-dessus, je jouais pas avec la charge électrique parce que ça servait à strictement rien. Et en revanche, vous aurez remarqué que j'avais le Stinger, donc le lance-roquette de Black Ops 2. Bref, donc je joue avec ce Stinger parce que je sais pas du tout comment il s'appelle sur ce nouveau Black Ops. Et je joue avec ça parce que tout simplement, je me suis dit, comme je vais pas jouer avec fantôme ni silencieux, je me suis dit, lorsque je serai tout seul dans mon petit coin et que je regarderai de temps en temps le ciel, je vais peut-être pouvoir détruire des drones brouilleurs, etc. Et donc, ça m'aurait permis, moi, de débloquer des points supplémentaires, des points gratuitement, puisque lorsque vous détruisez un drone, ça vous rapporte 75 points. Un drone, comment dire? Un drone brouilleur c'est 100 points et un colis stratégique c'est 125 points. Et ben ce genre de points ils sont pas à négliger, ça vous fait toujours des points gratuits et ça vous aidera dans vos séries. Mais attention, lorsque vous utilisez ce Stinger, veillez bien à être tout seul, ou alors que vos amis vous protègent autour de vous. Parce que combien de fois je me suis déjà fait tuer en regardant en l'air et du coup en étant plus attentif au niveau de la map. Et je me suis fait tuer, mais comme un idiot, quoi. Tout simplement parce que le mec s'est faufilé derrière moi. Donc veillez bien à être tout seul. Quoi qu'il en soit, ça c'est la petite astuce, la petite classe que je vous conseille, que si vous voulez la reproduire pour tenter d'obtenir votre chien d'attaque ou votre groupe de chasse. D'ailleurs, c'est la première fois que je remarque sur ma chaîne que je vous propose le groupe de chasse. J'espère, plus tard dans la vidéo sur Black Ops 2 que je pourrai vous en reproposer. Si bien sûr j'arrive à redébloquer les deux score strikes qui sont l'unité canine et le groupe de chasse en même temps, j'espère pouvoir vous proposer d'énormes massacres. Quoi qu'il en soit, on est déjà bientôt à la fin de la vidéo. Vous aurez vu quand même qu'on a enchaîné Blade et moi les unités canines et les groupes de chasse. Combien de fois on s'est gêné tous les deux parce qu'on avait tous les deux le même score strike en même temps, ce qui fait que pour les balancer bah, c'était pratiquement pas possible. Et ben je peux vous jurer que voilà, on a fait vraiment une très très bonne partie. D'ailleurs à la base on était juste venu là pour s'amuser et au final on s'est dit mais regarde le score qu'on fait, on peut même tenter les plus de 100 kills. Alors on a tenté, mais malheureusement, je vous spoil, et bah oui, je vais vous spoiler, oui, désolé. Donc, je vous spoil, malheureusement, on n'a pas dépassé les 100 kills. Blade a fait plus de 90 kills, et moi, plus de 80. Mais voilà, on n'a pas réussi les plus de 100 kills. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a fait à 3,
plus de 200 kills en multi-équipe, et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez énorme, même si The Plow, voilà, joue avec des petits score streaks. On l'a un peu forcé à jouer avec des petits score streaks, mais ça l'a pas forcément dérangé. Au moins, on a su être solidaire, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je vous conseille aussi le multi-équipe, puisque vous n'avez pas besoin, vous saurez. Comment dire, lorsque vous allez jouer avec des collègues, si vous avez par exemple 2-3 amis avec qui jouer, et bah jouez en multi-équipe, parce que comme ça au moins vous serez sûr avec qui vous jouez. Que si vous jouez dans un mode avec 6 joueurs, vous avez forcément des gens que vous connaissez, que vous n'allez pas connaître. Surtout si vous n'êtes pas youtubeur et que vous ne jouez pas avec vos abonnés, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça vraiment, n'hésitez pas à jouer dans ce mode de jeu, le multi-équipe, si vous avez quelques amis avec qui vous voulez passer 30-45 minutes, enfin je sais pas quoi. Et bah voilà, ce mode de jeu il est fait pour vous, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez et peut-être essayez de débloquer l'unité canine et dites-moi dans la vidéo, dans les commentaires, si vous avez réussi ou du moins si vous l'avez déjà eu et si mon tuto vous a plu, même si c'est pas forcément un tuto, c'est plutôt des conseils que je vous donne puisque vous n'êtes pas obligé de les suivre. Donc voilà, dites-moi si mes petits conseils vous ont plu. Quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez la fin de la partie. Malheureusement, vous aurez remarqué aussi que j'ai presque réussi le nucléaire, mais ma série s'est arrêtée à 28. Donc voilà, manque de temps, j'ai pas réussi ma nucléaire. Et donc voilà, bref, on termine cette vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Je vous remercie à tous de débattre dans les commentaires, savoir si ça vous a plu. En attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao les gens.